Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau flow, premier flow du déconfinement. Aujourd'hui, on a besoin juste d'un truc un peu spécial. Prends tes blocs si tu en as, ou le cookie bowl ou quelque chose pour se relever, ce sera plus facile pour un exercice. Et prends une ceinture ou une écharpe ou yoga belt, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour aider pour un exercice au sol. Si tu es doté d'une souplesse extraordinaire, pas besoin de l'écharpe. Et puis aujourd'hui tu peux venir t'asseoir. Je m'excuse déjà un peu à l'avance parce que le son sera peut-être moins bon que d'habitude. Généralement j'essaie de prendre le son sur mon ordi qui n'est pas du tout heureux en ce moment. Et bon, il ne s'allume pas les masses, du coup on va voir ce que ça donne. Alors le son va être pris de l'appareil photo, enfin de la caméra. Du coup j'espère que ça jouera. Voilà, on va voir. Et aujourd'hui, ben, on refait nos 5 minutes assises, on refait 3 minutes de anulom bilom, le pranayama. J'ai oublié de dire, on peut aussi l'appeler Nadi Shodhana si jamais. Et puis on va beaucoup travailler la mobilité du bassin, ça va être un peu notre point de concentration aujourd'hui. Donc tu peux trouver ta position hyper confortable. Allonger ton dos, ouvrir les épaules. Prends le temps de t'installer. Tu peux aussi toujours commencer par une longue inspire par le nez, une longue expire par la bouche. Et fermez les yeux. Et les 5 minutes commencent maintenant.
Pour les 2 minutes qui restent, essaie de retrouver ta connexion avec ta respiration. Commence par sentir le poids de tes mains sur tes jambes, le poids de tes jambes, de ton assise dans le sol. Sens cette force vers le bas qui t'aide à te stabiliser, à t'ancrer dans le sol. Et utilise cette sensation d'ancrage pour pouvoir inspirer, allonger, grandir, créer de l'espace, élargir. Garde la longueur, l'espace que tu as créé pendant ton inspiration. Et expire et tu relâches. Tu détends dans le visage, les bras, le ventre, les jambes. Tu te libères de toutes les petites tensions inutiles. Et à la fin de ton expire, tu retrouves ton ancrage, ta sensation de stabilité dans le sol. À partir de laquelle tu inspires pour pouvoir allonger, grandir, ouvrir. Mais en gardant la longueur, l'ouverture, l'espace de l'inspire, tu expires, tu relâches, tu te libères. Et tu te laisses tomber, supporté par ton ancrage dans le sol. Tu gardes cette détente, cette sensation d'ancrage pour inspirer, grandir, ouvrir. Et tu gardes cet espace. Et tu expires, tu relâches. Et tu retrouves ton ancrage. Encore quelques fois à ton rythme. Vérifie que ta mâchoire est toujours détendue. Ta langue, le fond de ta gorge. Tes épaules. Et à la fin de ta prochaine expiration, tu peux d'ailleurs expirer par la bouche si ça t'aide. Tu peux ouvrir les yeux. Alum bilum, l'exercice qu'on a fait la semaine passée. Essaie de te rappeler le ratio que tu avais trouvé la semaine passée et de le garder. Si tu te rends compte aujourd'hui que le ratio que tu as choisi, que tu as trouvé la semaine passée, ne te correspond pas, surtout, ne force pas, change et réadapte. Je vais de nouveau mettre le métronome et aujourd'hui on va faire 2-3 minutes, 2-3 minutes l'exercice. Pour rappel, index majeur à l'intérieur, le pouce va sur la narine droite, l'annulaire sur la narine gauche. On inspire d'abord avec la narine gauche, on bouche, on expire double avec la narine droite. On inspire avec la narine droite, on bouche et on expire double avec la narine gauche. Ça fait un cycle et tu fais autant de cycles que tu peux pendant ces 2-3 minutes. Je te dirai quand arrêter. Ah, il faut que j'aille le son. D'abord, retrouve ta position confortable. La longueur dans ton dos. Tu peux fermer les yeux, garder les yeux entrouverts. Plus simple pour toi. Commence par prendre une longue inspiration par le nez. Et une longue expiration par le nez. Mais quand tu te sens prête, tu commences. On inspire à gauche. Thank you.
rythme, tranquillement, sans te précipiter, tu termines le cycle que tu étais en train de faire, donc tu termineras par, en expirant double à gauche. Une fois que tu as fini, tu peux venir poser les mains sur tes genoux. Observer les sensations, les effets de l'exercice. Vérifie qu'aucune tension inutile ne se soit installée quelque part. Ensemble, on prend une grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire, retrouve la longueur dans le dos, dans la nuque. Et expire, commence à faire des grands cercles avec la tête. Tu peux commencer par la laisser se pencher vers l'avant, puis tourner vers la droite. L'arrière, la gauche, et puis de nouveau à l'avant. On fait trois grands cercles à ton rythme. Essaye d'aller où ça fait bien, où ça fait du bien. De détendre les endroits où ça fait un peu plus mal. Une fois que tu as fini tes trois cercles, tu changes de sens. Une fois que tu as fini, tu reviens à la tête droite, le dos long. Observe l'effet de l'exercice. Mais quand tu te sens prêt, on fait de nouveau des grands cercles, mais cette fois-ci avec la poitrine. Tu peux inspirer, creuser le dos, tirer le sternum vers l'avant. Et puis commencer à aller loin vers la droite, arrondir le dos, le sternum vers l'arrière, puis vers la gauche. Et de nouveau, on a fait trois. À ton rythme. Observe ce qui se passe dans tes hanches, dans tes épaules. Parfois ça craque, chez moi ça craque, je sais pas si ça s'entend. Ah non, ça y est. Mais une fois que tu as fini les trois, tu changes de sens. Oula, même le sens, ça me craque toujours. Et une fois que tu as fini, tu reviens avec le dos droit, tu entrelaces les mains, paume des mains vers l'avant d'abord, étire les bras, pousse dans les os des fesses et inspire, main vers le plafond. Et cette fois-ci, on fait six grands cercles. Commence par amener les mains un peu vers l'avant, puis loin vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. Et de nouveau, tu ne vas pas trop vite, tu vas à ton rythme. Tu gardes toujours les mains bien réveillées, les doigts. Petit pli dans les coudes. Essaie de faire plutôt des grands mouvements. Et dès que tu as fini les 6, je vais pas tout monter, je crois que ça y est. On change de sens. On observe cette fois-ci, c'est peut-être plutôt les épaules qui craquent. Essaie de sentir comment l'articulation de l'épaule fonctionne, le bras qui tourne, qui bouge dans cette articulation. Et je pense que ça doit bien faire 6. Inspire, main vers le plafond, s'étire. Et expire, penche-toi vers l'avant pour étirer le dos. Tu peux poser la tête au sol ou la laisser pendre. Si la tête ne touche pas le sol, mais que tu as envie de supporter la tête, viens poser la tête sur un bloc ou un coussin. Garde bien les fesses au sol, détends le dos, le ventre. Juste laisse le dos, la colonne vertébrale se réveiller, s'étirer. La prochaine inspiration, tu viens sur le bout des doigts et tu commences à marcher le plus vers l'avant possible avec le bout des doigts pour étirer un peu plus les épaules, mais continue à bien pousser avec les fesses dans le sol, allonge, allonge, et de nouveau tu peux lâcher la tête, peut-être que la tête touchera le sol, peut-être pas, c'est pas grave. On prend encore une longue inspiration
Étire les bras et expire, relâche. Inspire, déroule le dos pour se redresser. Amène les mains loin vers l'arrière. Mains à plat de façon confortable. Ta première option est juste de pousser dans tes mains. Lever le sternum le plus haut possible. Tu peux éventuellement lâcher la tête si tu n'as aucun souci avec ta nuque. Si quand tu as tourné la tête au tout début de l'exercice, quand on a commencé, ça faisait mal. Quand tu penches la tête en arrière, alors rentre bien le menton vers l'intérieur. Si tu veux aller plus loin, tu pousses un peu plus fort avec les mains dans le sol et tu lèves le bassin vers le haut. Dépendant de comment tu es assis, cette variante n'est peut-être pas possible, mais celle-là, elle est pour tout le monde. Donc lève le sternum vers le plafond. Si tu as lâché la tête, reviens, remonte le menton et doucement tu reviens trouver le centre. Inspire, amène les mains vers le plafond. Étire et expire, cette fois-ci on va chercher loin vers la droite, vers la gauche, finalement, peu importe. Garde bien les deux fesses au sol, étire bien le côté gauche de la taille. Tu peux réveiller la main gauche ou bien la laisser pendre, comme tu préfères. Si tu la laisses pendre, c'est plutôt la gravité qui travaille. Si tu étires, tu rajoutes un petit étirement supplémentaire. Inspire, reviens au centre et expire à chercher loin à gauche. Étire, étire, étire. Inspire, reviens au centre, main vers le plafond, grandis, 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 grandis. Expire, tourne la poitrine à droite. Chaque inspiration, essaie d'allonger un peu plus ton dos. Ouvrir tes épaules, créer de la place et expire. Tu essaies de twister, d'aller un tout petit peu plus loin. On reste encore deux respirations. Et une dernière, inspire. Et expire. Inspire, reviens vers le centre. Main vers le plafond, ça aide pour allonger le dos. Et expire de l'autre côté, bout des doigts au sol. Inspire, retends, réallonge, réouvre. Et expire, relâche. Et essaie d'aller un peu plus loin. Essaie de toujours garder la qualité de l'inspire dans ton expire. C'est-à-dire que ton inspiration va toujours t'aider à allonger, créer de l'espace. Tu gardes l'espace que tu as créé et quand tu expires, tu détends, tu essaies d'aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Tu retrouves ton ancrage avec le sol et tu gardes cette détente, cet ancrage. Quand tu inspires, tu allonges. Et quand tu expires, tu gardes la qualité de l'inspire et tu rajoutes en plus celle de l'expire. Les deux travaillent ensemble. Inspire, on revient vers le centre. Main vers le ciel et expire. Tu peux venir à quatre pattes. Main sous les épaules, genoux sous les hanches, plus ou moins. Inspire, d'abord creuse complètement le dos. Expire, arrondis complètement le dos. Et inspire, trouve l'équilibre juste entre les deux. Ça veut dire que le dos est plat, entre guillemets. Tu laisses quand même la courbure naturelle de la colonne s'installer. Pousse un petit peu avec les genoux dans le sol pour activer le bas du ventre. Pousse avec les mains dans le sol pour activer entre les omoplates. C'est aussi bêtement une bonne façon de travailler planche et chaturanga par exemple. Essaie de ne pas bouger le dos. Inspire, amène le pied droit vers l'arrière. Fléchis ton pied, étire, allonge. Expire, cette fois-ci tu peux arrondir le dos, amener le genou à la poitrine. Inspire, reviens avec le dos droit. Ouvre le genou sur le côté. Expire, tends la jambe, fléchis le pied sur le côté. Inspire, replie la jambe. Expire, amène le genou au centre, à la poitrine et arrondi. Inspire, amène le pied droit vers l'arrière, fléchis le pied. On fait encore deux fois ce cycle. Expire, amène le genou à la poitrine, arrondi. Inspire, ouvre le genou sur le côté. Expire, sans rien bouger, tu pousses avec ton pied sur le côté, la jambe se tend. Inspire, tu replies la jambe. Expire, amène le genou à la poitrine, tu arrondis. Et inspire, étire la jambe vers l'arrière. Un dernier, expire, genou à la poitrine.
Inspire, ouvre sur le côté. Expire, tends la jambe. Inspire, repli. Expire, genou poitrine. Inspire, tends la jambe vers l'arrière et tu restes. Fais des petits cercles avec ton pied. Repousse bien le genou au sol pour activer le bas du ventre. Essaie de ne pas trop creuser le dos. Pose dans tes mains, allonge la nuque. Et expire, pose le genou. Oh, c'était plus fatigant que ce que je pensais. Inspire, amène le pied gauche vers l'arrière, fléchis ton pied. Expire, amène le genou gauche, cette fois-ci à la poitrine. Inspire, ouvre sur le côté. Sans rien bouger, expire, pousse avec ton pied sur le côté pour tendre la jambe. Inspire, replie la jambe. Expire, genou poitrine, tu peux arrondir. Et inspire, fléchis ton pied, pousse avec ton pied vers l'arrière, allonge. Expire, pardon, genou à la poitrine, tu peux arrondir. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, tends la jambe. Inspire, replie. Expire, poitrine. Inspire, arrière. Fléchis bien le pied, pousse avec le talon vers l'arrière, tire le talon. Expire, genou poitrine, dernière. Inspire, côté. Expire, tu tends. Inspire, tu replies. Expire, poitrine. Inspire, vers l'arrière et tu restes. Retrouve la force en bas du ventre, pousse dans les mains, allonge la nuque, petit mouvement avec la cheville. Prends une longue inspiration ici. Et expire, repose. Posture de l'enfant, lâche la tête. Détends la mâchoire. Viens poser les mains, largeur de tes épaules un peu plus large, amène déjà l'index qui regarde vers l'avant. Reviens, mets le poids du corps dans les mains, retourne tes orteils, pose dans tes mains, chien tête en bas. Tu peux secouer un peu la tête, secouer un peu les fesses pour rester pas longtemps ici. Ta prochaine inspiration, tu amènes le poids du corps dans les mains, tu expires, tu plies les jambes, tu marches à l'avant du tapis. Inspire pour réallonger ton dos. Expire pour relâcher, pousse dans les pieds, inspire, déroule le dos, main vers le ciel, grandis, monte même sur la demi-pointe pour grandir, tu étires, tu étires, tu étires, tu étires, tu touches le plafond, et expire, ah, relâche. Installe-toi pour les premières salutations du soleil, gros orteils ensemble. Petit rituel pour activer les pieds, les jambes, l'intérieur des cuisses, le bas du ventre, lâcher les fesses, détendre les épaules, allonger la nuque. Pour se synchroniser ensemble, on prend une longue inspiration par le nez et expire par le nez. Surya Namaskara et première salutation. Inspire, pose dans les pieds. Main vers le ciel, grandis, étire. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lasse la tête, garde le poids du corps un peu vers l'avant. Inspire, pousse avec les mains dans le sol, sur tes jambes pour allonger ton dos, tire bien les épaules loin de tes oreilles. Expire pour passer en planche, pied à genoux de tes hanches, talons au-dessus des orteils, pose dans tes mains, active les bras, inspire, active tes jambes. Expire, garde la force dans le bas du ventre, amène les genoux au sol, plie les coudes vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, pousse dans les mains, garde le bas du ventre actif, épaules le plus bas et le plus vers l'arrière possible. Les bras sont hyper engagés, la nuque est longue. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. 1, n'hésite pas à bouger pour le premier. 2, secoue un peu la tête, les fesses, les jambes. 3. Et 5. Inspire, gros sur la demi-pointe, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie un peu les jambes et marche à l'avant du tapis. Gros orteils ensemble. Inspire, retrouve la longueur dans ton dos. Expire, lâche ta tête. Inspire, pousse avec les pieds dans le sol. Main vers le ciel. Et expire, bras le long du corps.
Encore deux fois, inspire, main vers le ciel, grandis, tu t'étires, petit doigt plus proche que le pouce. Expire, plonge, lâche ta tête. Inspire, longueur dans ton dos, épaules loin de tes oreilles. Expire, passe en planche, pied largeur de tes hanches. Inspire, pose dans les mains, pose dans les pieds actifs, bras, jambes, bas du ventre. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, garde le bas du ventre actif, pose dans les mains, tu ouvres. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. 1. Deux, tes mains sont à plat, active tes bras. 3, cherche la longueur dans ton dos. 4, laisse la tête être lourde, pendre, détends le visage. Et 5, inspire demi-pointe, expire, plie les jambes, marche à l'avant du tapis. Inspire, retrouve la longueur dans ton dos. Expire, lâche le dos du corps, détends tes orteils. Inspire, pose dans les pieds, on se redresse, main vers le ciel. Et expire, ça va, ça va. Une dernière, inspire, main vers le ciel. Expire, plonge, lâche la tête. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, pour passer en planche. Inspire, travaille, fortifie ta planche. Expire, chaturanga, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, posant les mains pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. 1, lâche ton visage, ta langue, tes lèvres, ta mâchoire. 2, détends ton regard, tes paupières, toutes les petites tensions que tu pourras avoir autour des yeux. 3, détends les petits muscles à la base de la nuque. 4, repousse le sol avec tes mains. Et 5, inspire demi-pointe, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie les jambes, marche ou saute à l'avant du tapis. Non, marche, on en parle première. Inspire pour allonger ton dos, épaules loin de tes oreilles. Expire, relâche. Inspire, pose dans les pieds, main vers le ciel. On grandit, on s'étire et expire. Tadasana. Srinamaskarapi, plie les jambes, serre les pieds, les chevilles, les genoux, main vers le ciel, garde les fesses bien en bas. Inspire et expire, pousse dans les pieds, plonge, lâche ta tête, de nouveau le poids un petit peu vers l'avant. Inspire, retrouve ta longueur dans ton dos. Expire, pousse avec les mains dans le sol, marche ou saute, grenouille, genou plié vers l'extérieur. Inspire pour passer en planche. Peut-être garde les jambes tendues ou amène les genoux au sol, c'est comme tu veux. Expire, plie les coudes vers l'arrière, retourne un pied, puis l'autre, pousse dans tes mains, inspire pour ouvrir vers l'avant, continue à avoir le bas du ventre actif, et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond, pousse bien dans les mains de nouveau, expire, genou, coude droit, tes mains sont bien à plat. Inspire, plafond, étire jusqu'au bout des orteils, et expire, tu croises à gauche. Inspire, vers le plafond, et expire, entre les mains, genou gauche au sol, pied gauche au sol. Inspire, main vers le ciel, tu peux entrelacer tous les doigts, index vers le plafond, amener les mains légèrement vers l'arrière et rentrer un peu le menton si c'est possible, ou juste rester avec les mains vers l'avant et regarder vers tes mains, c'est comme tu préfères. C'est deux sensations un peu différentes, ou bien tu es vers l'arrière de ta tête, ou vers l'avant. Le but c'est de ne pas sentir de douleur dans le bas du dos, si amener les mains vers l'arrière ça fait mal dans le bas du dos, alors garde les mains vers l'avant, et de ne pas avoir de tension dans la nuque. Donc si tu passes les mains vers l'arrière, rentre un peu le menton. Inspire, tire avec les mains loin vers le plafond, essaie de serrer les bras ensemble. Expire, essaie de descendre un tout petit peu plus les hanches, un peu plus bas. Inspire, tire avec les mains vers le haut, où que tu sois. Et expire, reviens poser les mains au sol, tends la jambe arrière, pousse d'abord dans les mains, et puis seulement amène le pied, planche. Inspire en planche et expire de nouveau, jambes tendues ou genoux au sol comme tu veux, coude vers l'arrière, pointe tes pieds, inspire pour ouvrir et expire, chien tête en bas.
Inspire, amène le pied gauche vers le plafond. Expire, genou, coude gauche, main à plat, vérifie. Inspire, plafond. Et expire, tu croises. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Genou droit au sol, pied droit au sol. Inspire, main vers le ciel, entrelace les doigts, index vers le haut. Expire, laisse les fesses descendre un peu plus bas. Inspire, retrouve la longueur dans le dos parce que tu tires avec tes mains vers le haut. Et expire, main au sol. Tends d'abord la jambe arrière parce que tu poses dans les mains le pied gauche, file vers l'arrière, inspire en planche. Et expire, chaturanga. Jambe tendue au genou au sol, coude vers l'arrière, retourne les pieds, inspire pour ouvrir. Et expire, tu choisis, posture de l'enfant, chien tête en bas pendant 5 respirations. N'hésite de nouveau pas à prendre une bonne inspiration par la bouche pour retrouver ton souffle. Faire un peu de bruit si tu veux. Essaie de détendre dans ta mâchoire. Essaie de ressentir que plus tu détends dans ta mâchoire, plus tu adoucis ton regard, tes paupières, comme si tu donnais la sensation à tes yeux de s'élargir, au bord extérieur de tes yeux de se lever un petit peu, comme si tes yeux étaient en train de sourire. Plus ça t'aide à calmer le souffle et à faciliter la pratique, la posture. Ceux qui sont en posture de l'enfant reviennent en chien tête en bas. Ensemble, on inspire, on monte haut sur la demi-pointe. Expire, on plie les jambes. C'est hyper important, surtout pour apprendre à sauter, pour venir s'asseoir. Pousse dans tes mains et sans faire de bruit, tu marches ou tu sautes. C'est complètement égal, mais tu pousses dans tes mains sans faire de bruit pour venir à l'avant du tapis. Inspire, retrouve la longueur dans ton dos. Expire, lâche la tête. Inspire, plie les jambes beaucoup. Main vers le ciel, Utkatasana. Et expire, Tadasana. Dernier, inspire, Utkatasana. Expire, plonge, lâche la tête. Inspire, retrouve la longueur dans le dos. Expire, main à plat, pousse dans les mains. Marche ou saute, c'est égal. Genou vers l'extérieur, grenouille. Inspire, repasse en planche, tes mains sont toujours bien à plat. Expire, tu choisis, jambes tendues au genou au sol, chaturanga, plie les coudes vers l'arrière, retourne tes pieds, inspire pour ouvrir, pousse bien dans les mains. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, genou, coude droit. Inspire, plafond. Expire, croise. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Tends la jambe arrière, amène le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspire, main vers le ciel, tu choisis comment tu veux entrelacer les doigts. N'hésite pas à changer si tu as fait un sens juste avant. Expire, essaie de descendre un peu les fesses. Tire avec le talon gauche vers l'arrière, le genou droit reste bien au-dessus de la cheville. Inspire, tire avec les mains vers le plafond pour grandir, étirer. Sentir un peu plus l'étirement dans la hanche gauche. Et expire, viens poser les mains au sol. Parce que tu pousses dans les mains au sol, le pied glisse et puis le genou suit et tu repasses en planche. Inspire en planche, prends le temps de travailler ta planche. Pousse dans tes mains, crée de l'espace entre les omoplates, active le bas du ventre, tire tes talons vers l'arrière, active bien tes jambes, c'est beaucoup plus facile. Et expire, chaturanga, genou au sol, les jambes tendues, coude vers l'arrière, retourne tes pieds, inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers le plafond. Expire, genou, coude gauche. Inspire, plafond. Expire, croise. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Stabilise les jambes. Inspire, on se redresse. Entrelace les doigts, index vers le haut. Expire, descends un peu les fesses. Tire le talon droit vers l'arrière, genou un peu vers l'avant. Inspire, retrouve la longueur dans le ventre, dans le dos, tire avec les mains vers le plafond, crée de l'espace. Et expire, repose les mains au sol. Parce que tu poses dans les mains, le pied glisse vers l'arrière, le genou reste peut-être un petit peu à la poitrine et du coup, planche. Inspire en planche, active tes jambes et expire, chaturanga.
Inspire pour ouvrir. Et expire, tu choisis. Posture de l'enfant, chien tête en bas, 5 respirations. Un. Deux. Trois. Quatre. Reviens en chien tête en bas si tu es en posture dans l'enfant. Et 5. Inspire. Poids du corps dans les mains. Garde bien le poids du corps dans les mains, repousse le sol avec les mains, plie un peu les jambes, prends le petit élan, marche ou saute. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, relâche. Inspire, plie les jambes, main au ciel, Utkatasana. Et expire, Tadasana. Inspire, Utkatasana. Expire directement, pas de twist aujourd'hui, tu poses dans les pieds et tu plonges. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, main bien à plat, on a compris que c'était important aujourd'hui. Pousse dans tes mains, parce que tu pousses dans tes mains, tu marches, tu sautes, genou plié vers l'extérieur. Inspire en planche, réactive bien les jambes. Expire, chaturanga, genou au sol, jambes tendues, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, amène le genou à la poitrine et tu tiens. Serre le genou le plus haut possible. Allonge la nuque, regarde presque devant le matelas. Pose dans tes mains, elles sont à plat. 2. Tire avec le talon gauche vers l'arrière. 3. Déplie la jambe et amène le pied entre les mains. Inspire. On se redresse. Garde le talon en l'air. Vérifie que ton genou soit bien au-dessus. Ton genou droit est bien au-dessus de ta cheville droite. Ton genou veut toujours aller vers l'avant. Pousse dans le talon avant. Détends tes orteils. Ton talon gauche, par contre, va aller vers l'arrière. Ça va activer l'arrière de ta cuisse et l'intérieur de ta cuisse aussi. Bas du ventre est légèrement rentré. Position forte dans le bassin. Main vers le plafond. Allonge ton inspire. Et allonge ton expire. Étire les bras. Grandis. Cette fois-ci, les mains ne sont pas ensemble. On crée un peu plus de place pour la nuque. Maintenant, essaie de sentir. Le mouvement va partir de tes hanches. Si tu es à l'aise avec ce genre de choses, alors tu gardes les mains en l'air et puis quand on va ouvrir en guerrier numéro 2, tu vas ouvrir les bras. Sinon, viens poser tes mains sur tes hanches, c'est plus facile pour sentir. La seule chose, c'est que ton pied droit, ton genou droit sont fixés au sol, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est immobile. Regarde ton pied pour t'aider s'il faut. Et puis, c'est tes hanches, ton bassin qui va ouvrir vers la gauche, ta jambe gauche va suivre parce qu'elle, elle peut bouger et pouf, ton talon gauche va se poser au sol. Ton genou droit, contre lui, n'a pas du tout bougé. Et puis tu ouvres les bras et on se retrouve en guerrier numéro 2. Guerrier numéro 2, tu veux plier dans la jambe droite parce que tu poses dans la jambe gauche. Le bas du ventre toujours un peu tenu. Les bras s'ouvrent, tu t'étires comme si tu sortais du lit. Plein de place dans la nuque. Tu peux regarder loin vers ta main droite si ça aide. Si ça fait mal à la nuque, tu regardes devant toi. Une longue inspiration ici. Et expire, déplace le poids du corps vers l'avant. On va refaire Ardha Chandrasana, la demi-lune comme on a fait la semaine passée. Je te conseille de ne pas faire trop le malin. Prends un bloc, même si tu n'en as pas besoin. Parce qu'après, on va rester longtemps sur un seul pied. Et l'équilibre, c'est peut-être ton fort, mais ce n'est pas forcément toujours facile. Enfin, on verra. Et du coup, facilite-toi la vie pour pouvoir rester longtemps en équilibre sur une seule jambe. Du coup, continue à garder la fesse gauche au-dessus de la fesse droite. La jambe gauche monte aussi haut possible, mais sans forcer. L'épaule gauche essaie d'être au-dessus de l'épaule droite. On essaie de complètement ouvrir le ventre et la poitrine sur le côté. Si tu regardes vers le sol, théorie, c'est plus facile. Si tu veux te compliquer la vie, tu peux regarder vers le plafond. Active jusque dans le bas du ventre. Prends une longue inspiration ici. Et expire. Amène ta main à ta hanche, puis sur tes fesses. Sens ta fesse gauche au-dessus de ta fesse droite. Et c'est là que c'est compliqué. On transitionne en guerrier numéro 3. Ça veut dire qu'on va amener juste les deux fesses à la même hauteur. Donc en un coup, le nombril, la poitrine, tout ça va regarder vers le sol. N'hésite pas à t'aider en posant les mains au sol, parce que ça peut déjà être beaucoup pour la jambe.
Et puis si tu veux essayer de sentir, parce que c'est de sentir d'avoir les deux fesses à la même hauteur, c'est pas quelque chose de facile. Pousse avec ton pied droit dans le sol, pousse avec ton pied gauche vers l'arrière. Plus tu pousses avec ton pied droit dans le sol, plus ce bas du ventre va s'activer. Détends tes orteils au sol, allonge le dos. N'hésite pas à t'aider en surélevant le sol avec un bloc ou quelque chose. Prends encore une longue inspiration ici. Expire, plie la jambe droite, pose dans le pied droit, on se redresse. Oh, j'en ai déjà en feu. Sans tricher comme je viens de faire. Oh, tu te redresses, tes deux hanches restent à la même hauteur. Essaie de lever le genou gauche le plus haut possible, plus haut possible. Main vers le plafond. Trouve ton équilibre. Une fois que tu as trouvé ton équilibre, tu pousses ta jambe gauche vers l'avant. Regarde pas ton écran. Ça y est. Prends une longue inspiration ici, c'est de lever la jambe le plus haut possible. Et expire, replie la jambe droite. Retrouve guerrier numéro 3. Pose les mains au sol si c'est plus facile. Deux fesses à la même hauteur, active les deux jambes, tire le pied gauche vers l'arrière. Sans toucher rien avec les mains, inspire et lève juste la fesse gauche au-dessus de la fesse droite. Juste pour avoir la sensation de la différence. Comme si le bas du corps faisait Ardha Chandrasana. Sauf que la poitrine est toujours vers le sol. Inspire ici, tu peux lever la jambe un peu plus haut. Et expire juste, ramène les deux fesses à la même hauteur. Encore deux fois, inspire, ramène la fesse gauche au-dessus de la fesse droite. Expire, deux fesses à la même hauteur. Inspire, tu ouvres. Et expire, deux fesses à la même hauteur. Inspire et allonge ton dos. Et expire, plonge en avant et essaie de lever la jambe gauche le plus haut possible. Et là, c'est pas grave si la fesse gauche vient au-dessus de la fesse droite. Peu importe. Parfois, même quand on penche son corps en avant, on sent plus vraiment ce qui se passe dans les hanches. Essaie juste de lever le pied le plus haut possible, même si ça n'a pas l'air d'être très haut. Prends encore une longue inspiration ici. Et expire, amène le pied le plus loin sur le tapis possible. Tu peux t'aider en marchant avec les mains. Et on se redresse et on arrive avec les pieds parallèles. Pousse avec les pieds dans le sol, inspire, ouvre les bras. Expire, entrelace les doigts dans le dos. Inspire, tire avec les mains loin de tes épaules. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche ta tête. Et laisse les mains tirer loin de tes épaules. Force pas trop pour amener tes mains vers le sol, laisse plutôt la gravité faire. On ne peut pas forcer trop dans les épaules. Par contre, concentre-toi sur l'équilibre du poids du corps dans les pieds. Pose dans tes pieds pour activer tes jambes, jusque dans le bas du ventre. Allonge ton inspire et ton expire. Respire dans ta cage thoracique. Prends encore une longue inspiration ici. Et expire, amène le bout des doigts au sol. Plie un peu les jambes, ouvre les orteils vers l'extérieur. Et marche avec tes mains vers l'arrière du tapis. Position qu'on a déjà faite plusieurs fois. Tu peux choisir si le talon gauche va au sol ou pas. Si les orteils, par contre, les orteils du pied droit et le genou droit, tout ça, ça regarde vers le plafond. N'oublie pas de toujours un tout petit peu plier la jambe droite si nécessaire. Et tu laisses les fesses fondre vers le sol. Essaie de garder le sternum ouvert. Prends une longue inspiration ici. Expire, reviens, retrouver le poids du corps dans les mains et continue de tourner vers l'arrière de ton tapis. On change un peu d'habitude. Et tu te retrouves avec la jambe droite tendue, le genou gauche plié, ta main droite au sol et inspire, ouvre à gauche. Prends une longue inspiration ici. Et expire, tous les orteils tournent vers la gauche et tu laisses les fesses descendre, la main gauche te tire vers l'arrière. On a déjà fait plusieurs fois cette position. On tourne complètement dans tout le centre, tout autour de l'articulation de la hanche. Inspire, reviens. Twist les genoux vers l'avant, main gauche vers le plafond. Et expire, relaisse les fesses descendre vers le sol. Garde les mains au sol ou pas, comme tu veux. Reste bas et marche. Transfère le poids du corps vers l'avant du tapis. Pose les mains à l'avant du tapis à plat. Retends la jambe gauche, le talon gauche est hyper haut. Les fesses sont le plus haut possible. Pousse dans les mains pour faire.
plafond. Inspire une fois que la jambe est en haut. Expire pour passer en planche. Inspire en planche avec une jambe en l'air. Expire, pied les coudes vers l'arrière. Pose le pied droit. Tourne le pied gauche. Pose les genoux au sol si c'est plus facile. Pose dans les mains et inspire pour ouvrir. Et expire. Posture de l'enfant. Oh, je suis épuisée. Posture de l'enfant ou chien tête en bas, évidemment, si tu es en grande, grande forme, surtout n'hésite pas. Mais quelle que soit la position que tu choisis, c'est une position pour récupérer. Donc ton chien tête en bas doit être confortable, presque sans effort. N'hésite pas à prendre des longues respirations. Reviens au chien tête en bas. Ensemble, on prend une longue inspiration par le nez et expire par la bouche. Et on est parti pour la jambe gauche. Inspire, pied gauche vers le plafond. Expire, amène le genou à la poitrine et tu tiens. Monte le genou le plus haut possible, tire le talon droit vers l'arrière, posant les mains, elles sont à plat, arrondis le haut du dos, bas du ventre réactif et déplie la jambe, pose le pied entre les mains. Pousse dans tes pieds, inspire pour te redresser, ton genou est bien au-dessus de ta cheville, ton talon droit tire vers l'arrière, le bas du ventre est rentré, main vers le plafond, c'est plus facile pour étirer le dos. Si tu veux mettre tes mains aux hanches, évidemment tu peux. Active tes jambes, essaye d'activer l'arrière et l'intérieur du muscle de la cuisse droite. Prends encore une inspire. Expire parce que ton bassin va bouger, on va ouvrir les hanches. Mais pour ça, il faut absolument que ton genou gauche et ton pied gauche restent complètement immobiles. Stabilise pied genou gauche et le bassin s'ouvre sur le côté, la jambe droite suit et le talon vient se poser au sol. S'il faut ajuster un peu la distance entre les pieds, tu ajustes. Ton genou gauche, absolument pas bouger. Ta jambe gauche se plie parce que tu pousses et que tu actives ta jambe droite. Tu peux ouvrir les bras. Gardez les mains en hanche, si c'est plus facile. Je sais qu'au début, je ne me rendais pas du tout compte de comment mon bassin se déplaçait, bougeait, comment ça se passait dans mes hanches. Et pour moi, toucher a été beaucoup plus... a beaucoup aidé. Du coup, si tu veux toucher ton bassin pour essayer de visualiser comment il se déplace en 3D, surtout n'hésite jamais à garder les mains au bassin. Si tu préfères ouvrir les bras parce que ça crée de l'espace dans les épaules, tu ouvres. Inspire ici, expire, torture, hop, déplace le poids du corps vers l'avant, reprends ton ami le bloc, essaye de garder la fesse droite au-dessus de la fesse gauche, lève la jambe droite, garde le nombril de la poitrine ouverte vers la droite, main droite vers le plafond, ou de nouveau si tu préfères, parce que c'est plus facile, sur les hanches, sur les fesses, pour essayer de sentir comment tout se passe dans l'espace. Ici sur le bas du ventre, parfois ça aide de sentir pour activer aussi cette zone. Mais du coup, parfois quand on a la main vers le bas, on a tendance à descendre l'épaule droite. Du coup, garde l'épaule droite bien en l'air. Prends une inspiration ici. Expire, c'est ton bassin qui bouge pour ramener la fesse droite, la hanche droite à la même hauteur que la hanche gauche. N'hésite pas à déposer les mains au sol pour t'aider. Retrouve ton équilibre. Cette fois-ci, fléchis le pied droit, c'est plus facile. Tu peux plier les deux jambes parce que la transition est plus facile. Pousse avec le pied gauche dans le sol, pousse avec le pied droit vers l'arrière pour activer jusque dans le bas du ventre. Deux fesses à la même hauteur. La jambe droite ne doit pas être très haut. C'est plus important d'avoir les deux fesses à la même hauteur. Donc n'hésite pas à toucher les fesses, le bassin pour essayer de sentir comment ça se passe. Allonge la nuque. Tiens bon. Prends encore une longue inspiration ici. Et expire, plie les deux jambes, trouve ton équilibre, essaie de ne pas poser le pied droit au sol. On se redresse. Ouf, détends les orteils. Oh, si c'est possible, amène le genou droit le plus haut possible. Les mains vers le plafond. Et quand tu te sens prêt, tu fléchis ton pied droit et tu pousses avec le pied droit vers l'avant. De nouveau, essaie d'avoir les deux fesses à la même hauteur. Étire, 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 grandis. Détends tes orteils. Inspire,
Et expire, plie les deux jambes. Retrouve ton équilibre. Viens poser les mains au sol. Retends la jambe arrière. Deux fesses à la même hauteur. Maintenant, on garde la poitrine qui regarde vers le sol. Les deux mains sont au sol, ce sera beaucoup plus facile. Et essaye juste de sentir. Inspire, amène la fesse droite au-dessus de la fesse gauche. Donc, ouvre le bassin vers la droite. Expire, on dit referme le bassin vers le centre. Ton nombril regarde le sol, le bas du ventre regarde le sol. Deux fesses à la même hauteur. Inspire, ouvre à droite. Essaye de sentir le mouvement bien du bassin et la jambe suit. Et expire, parallèle au sol. Inspire, on ouvre. Et expire, parallèle au sol. Inspire, retrouve la longueur dans ton dos. Expire, lâche le haut du corps, essaie de lever la jambe droite le plus haut possible. Monte, 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 c'est presque fini. La tête est lourde. Monte, 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 monte. Et expire, amène le pied le plus loin sur le tapis possible. Viens mettre les pieds parallèles. On se redresse. Inspire, ouvre les bras sur les côtés. Tu étires et expire, de nouveau entrelace les doigts dans le dos. Inspire pour allonger. Et expire, tu plonges. Si cette option-là n'est pas agréable dans tes épaules, tu peux aussi juste attraper tes avant-bras ou laisser complètement tes bras pendre, si tu préfères. Le but d'entrelacer les doigts dans le dos et de tirer les mains loin des épaules, c'est pour essayer d'ouvrir un peu plus le haut du dos. Mais parfois, c'est pas toujours agréable. Il faut s'écouter. Si c'est pas une bonne option pour toi aujourd'hui, alors tu changes. Laisse bien la tête pendre, détends la mâchoire, tu calmes le souffle. Prends encore une longue inspire. Et expire, plie un peu les jambes, amène le bout des doigts au sol, tourne les orteils vers l'extérieur et marche avec tes mains vers l'arrière de ton tapis, jambe gauche étendue. Choisis si le talon droit va au sol ou pas. Et laisse les fesses être lourdes, descendre, le sternum s'ouvrir vers l'avant, allonge la nuque. Inspire et expire, marche avec les mains vers l'arrière de ton tapis, les jambes suivent, on se retrouve sur les orteils du pied gauche avec la jambe gauche tendue, le pied droit à plat, le genou plié, inspire, pose dans la main gauche, ouvre à droite. Expire, essaie de descendre un peu les fesses, inspire, étire le bras vers le plafond et expire, tourne tous les orteils vers ta droite et avec ta main droite tu vas chercher loin vers l'arrière. Laisse les fesses descendre, sens l'étirement dans les hanches. Inspire, tu reviens comme on était avant, avec le pied droit à plat, main droite vers le plafond. Et expire, de nouveau, tu te tournes vers la jambe gauche est toujours tendue. Le but de passer dans cette position, c'est juste pour essayer de travailler cette transition. La transition vers l'avant du tapis, tu peux marcher avec les mains pour t'aider. Mais juste de faire ce mouvement-là avec les jambes, c'est de nouveau pas mal dans les hanches. Du coup, tu peux aussi essayer, si c'est facile, sans les mains. Juste pour transférer, mais reste avec les hanches basses. Hanches basses, ça ne veut pas dire fesses hautes et haut du corps bas. J'ai parfois vu des gens un peu comme ça. Et parfois, c'est aussi assez agréable d'être comme ça. Mais garde les fesses le plus bas possible, le plus bas possible. Et hop, tu viens poser les mains à l'avant du tapis. Retends la jambe arrière et de nouveau, on travaille cette transition. Pousse dans les mains parce que tu pousses dans les mains. Le talon droit est haut, la jambe droite est tendue, mais pousse dans les mains et ça glisse le pied gauche vers l'arrière, vers le haut. Inspire quand le pied gauche est en l'air. Expire pour passer en planche avec la jambe gauche en l'air. Inspire ici. Expire, plie les coudes vers l'arrière. Pose le pied gauche, retourne le pied droit, peut-être les genoux au sol. Inspire, pose dans les mains pour ouvrir. Et expire. Posture de l'enfant. Ou chien tête en bas de nouveau, comme tu préfères. Mais doucement, tu reviens en chien tête en bas si tu es en posture de l'enfant. Et comme la semaine passée, tu poses dans les mains, on va marcher
puis sauter, juste pour sentir. Pose toujours bien dans les mains, regarde un peu vers l'avant, cette fois-ci ça aide. Amène le pied droit d'abord vers la main gauche, puis le pied gauche vers la main droite. Fais des petits bonds avec tes fesses. N'oublie pas de pousser, il faut vraiment repousser le sol avec les mains. Tu dois le sentir jusque dans le haut du dos. Et puis hop, reviens en chien, tête en bas. Et puis on change, c'est d'abord le pied gauche qui va vers la main droite, puis le pied droit vers la main gauche. De nouveau, on croise, pousse avec tes mains dans le sol, active les bras, secoue les fesses. Hop, on revient en arrière. Cette fois-ci, saute, la jambe droite est devant. Secoue les fesses, pousse avec tes mains dans le sol. Tout est dans pousser avec les mains dans le sol. Ressaute, en chien tête en bas, un peu élastique sur tes jambes. Et puis ressaute, pied gauche vers l'avant, secoue les fesses. Repousse avec tes mains le sol. Reste ici cette fois-ci. Colle tes pieds ensemble, même si c'est pas ton pied favori devant, c'est pas grave. Pousse avec tes mains. Essaie de faire un tout petit pas, ou en tout cas rapprocher tes pieds de l'avant du tapis le maximum. Il ne faut pas que tes pieds dépassent les mains. Pousse avec tes mains dans le sol. Si tes pieds dépassent les mains, c'est très bien, mais ce n'est pas obligatoire. Descends les fesses, pousse avec tes mains, pousse avec tes mains, pousse avec tes mains, pousse avec tes mains. Ah, et bien, t'asseoir. Merveilleux, je crois qu'on a un peu de retard sur ce que je voulais faire. On va quand même le faire, Navasana, juste parce que je me suis rendu compte que j'avais peut-être mal dit quelque chose, ou en tout cas que une des indications que je donne, qui est en Navasana d'ouvrir au maximum les épaules et de relâcher les épaules, parfois peut donner aux élèves l'envie de trop creuser le bas du dos. En Navasana, donc prends Navasana, pieds ensemble, genoux ensemble, attrape l'arrière de tes cuisses, toujours on va vers l'arrière, on tire un peu avec les bras pour ouvrir, et puis on bascule vers l'arrière, mais quand tu bascules vers l'arrière, tu passes des os des fesses vers ton sacrum, et quand tu vas vers ton sacrum, donc vers le bas du dos automatiquement s'arrondit un tout petit peu. Il ne faut pas que le bas du dos se creuse, sinon c'est impossible. Donc le bas du dos est un tout petit peu arrondi, pas beaucoup, hein, ça fait juste une petite courbe, et en fait c'est ça qui fait que le bas du ventre est plus facile à activer et les épaules sont plus légères. Ce que tu fais avec les jambes, c'est comme tu veux. Et aujourd'hui, on reste juste 5. Bas du ventre actif. 4. 3. 2. Il faut vraiment aspirer le bas du ventre vers l'intérieur pour laisser cette petite courbe dans le bas du dos. Et expire. Relâche. Ah, je pense qu'on peut venir se coucher sur le dos, c'est tout à fait mérité. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si intense. Donc vous n'êtes peut-être pas aussi fatigué que moi. Tant mieux. Tu peux te coucher. Tu peux secouer un peu les genoux, plier peut-être un peu les jambes si tu veux. Secouer un peu les poignets, les mains si ça a beaucoup travaillé. Tu peux même lever les pieds et secouer un peu les jambes. Parfois ça aide pour détendre. On peut tous commencer à faire ça d'ailleurs. Et là t'as l'air un peu ridicule, je sais, mais moi aussi t'inquiète pas. Puis normalement t'es tout seul, personne te voit. Donc secoue, 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 secoue. Un peu comme si tu voulais décoller les muscles des os. Ou si tu as déjà eu ça, si tu avais marché sur un chewing-gum pieds nus ou chewing-gum sur les doigts, que tu veux t'en débarrasser, que tu secoues, tu secoues, tu secoues, tu secoues, tu secoues. Généralement en cours, dans ce genre d'exercice, je vois tout de suite qui a eu l'expérience ou pas. C'est une jambe beaucoup plus déterminée, très agréable. Ouf. Et puis tu relâches. Tu peux tendre les jambes ensemble au sol, fléchir les pieds. Inspire, tire avec les pieds, tire avec les mains vers l'arrière et puis vers l'autre côté. Tu t'étires comme si tu sortais ton lit, mais tire, 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 active tous les muscles. Et expire, relâche. Amène le genou droit à la poitrine et tu fais juste des petits cercles dans un sens avec ton genou pour détendre dans tes hanches. Et puis tu changes de sens. Et j'aurais peut-être dû le dire avant, on va avoir besoin de notre écharpe. Si tu n'as pas ton écharpe, mets-toi vite ton écharpe. Tu gardes le genou droit à la poitrine. Et avec ton écharpe, tu viens attraper ton pied. Essaie de ne pas mettre l'écharpe en plein milieu du pied. Essaie de ne pas mettre l'écharpe sur tes orteils, mais entre les deux, tu veux que ton écharpe touche la base du gros orteil. C'est juste que comme ça, tu vas pouvoir plus facilement pousser avec ton pied dans ton écharpe. Garde le genou à la poitrine, tiens bien ton écharpe. La jambe gauche, elle est complètement réveillée au sol. Et tu pousses avec ton pied vers le plafond. Quand tu pousses avec le pied vers le plafond, tire bien avec les mains vers toi. Garde tes épaules au sol. Si la jambe n'est pas très haut, c'est pas très grave. Tu ne dois pas être très loin. Essaye juste d'avoir, si c'est possible, le pied
vers le haut. C'est plutôt si la distance est grande, c'est pas très loin, c'est pas très grave. Mais essayez d'avoir le pied le plus haut possible. Si c'est pas possible de lever le pied à 90 degrés, alors du coup c'est pas du tout grave. Hein. Garde une tension entre ton pied qui pousse vers le haut et tes mains qui tirent vers toi. Si tu n'as pas besoin d'écharpe, tu peux attraper le gros orteil avec le pouce, avec l'index et le majeur. Mais essaie de garder les deux épaules le plus au sol possible. Et puis tu vas attraper les deux côtés de l'écharpe avec la main droite. Tu vas amener ta main gauche sur ta hanche gauche, sur le haut de la cuisse gauche et pousser avec ta main gauche dans le sol, dans ta cuisse. Garder ta cuisse bien au sol. Inspire ici et expire en gardant les deux fesses au sol, le bassin au sol. De nouveau, pousse avec ta main sur ton bassin pour essayer de sentir comment il est. Ouvre la jambe droite vers la droite. Si la jambe droite touche pas le sol, c'est vraiment pas grave. Essaie de garder le bas du dos stable, les deux fesses au sol. Et relâche. Essaie de toujours garder la jambe droite à 90 degrés. Pousse avec le pied dans l'écharpe, tire avec ta main sur l'écharpe. Toujours une petite résistance entre les deux, tu vas voir, ça va aider. Ça va aussi protéger un peu les articulations. Inspire, tu reviens vers le haut. Et expire, tu changes de main, c'est la main gauche qui attrape l'écharpe. Et cette fois-ci, on relâche beaucoup plus. Tu laisses le pied droit, la jambe droite, toute tomber vers la gauche. Tu ouvres le bras droit vers la droite et tu lâches la tête vers la droite. Et cette fois-ci, la jambe est un peu plus relaxe, tu peux un peu les plier, les deux. Tu peux fermer les yeux et juste respirer dans le bas du dos. Inspire, tu reviens vers le plafond. Une dernière fois, pousse bien avec le pied vers le plafond, tire avec les mains sans l'étirement de la jambe. Et expire, tu relâches délicatement ta jambe pour qu'elle vienne se mettre contre l'autre. Avant d'aller plus loin, inspire et tire les pieds, tire les mains. Grandis comme si tu sortais du lit dans les directions opposées. Tout s'active et expire, tu relâches. Serre bien les deux jambes ensemble. Garde cette énergie dans la jambe droite, mais la jambe gauche devient légère et elle monte. Amène le genou d'abord à la poitrine et on fait des petits cercles dans un sens pour essayer de détendre. Et puis doucement ici, tu peux détendre ta jambe droite, sentir, être conscient de la différence, de la sensation dans ta jambe, quand ta jambe droite est relâchée ou active. Et on change de sens. Amène le genou gauche à la poitrine, active ta jambe droite, comme s'il y avait l'autre jambe à côté et que tu serrais les deux jambes ensemble. Ton pied est flex ou pointé, c'est comme tu préfères, mais tu es conscient de comment se trouve ton pied. Amène l'écharpe sur ton pied gauche, de nouveau essaie d'avoir la base du gros orteil au niveau de l'écharpe, c'est plus facile. Tire avec les mains, pousse avec le pied, peut-être essaie de tendre la jambe, essaie d'avoir la jambe à 90 degrés du coup. Le bas du ventre est actif. Tu étires, presque comme si tu essaies de pointer le pied gauche. Quand tu essaies de pointer le pied gauche, tu tires d'autant plus avec tes mains. Attrape les deux côtés de l'écharpe avec la main gauche. Main droite sur le bassin, sur le haut de la cuisse, sans que tout ça, ça reste bien en place. Et expire, ouvre la jambe gauche sur la gauche. Ouh, c'est comme moi, tu tournes sur un mur. Parfait, tu triches avec le mur, tu peux pousser avec ta jambe contre le mur pour caler encore plus ton bassin contre le sol. La jambe droite est toujours active, comme si la jambe gauche était toujours là à côté d'elle et que pouvait pousser l'une contre l'autre et dans le sol. Le bas du ventre est toujours bien réveillé aussi. Les épaules, la nuque détendue. Inspire, amène la jambe gauche vers le plafond. Attrape le foulard avec la main droite et laisse la jambe tomber vers la droite. Main gauche, s'ouvre vers la gauche et le regard vers la gauche aussi. Et là, si tu veux plier un peu les jambes, n'hésite pas à plier un peu les jambes. Donner un peu plus de place dans le foulard pour écarter un peu ton pied pour qu'il puisse descendre un peu plus bas. C'est ok aussi. Cette fois-ci, on relâche. Inspire, amène le pied
vers le plafond. Une dernière fois, active la jambe droite, pousse avec le pied gauche dans le foulard, tire avec le foulard sur le pied, sans l'étirement, et délicatement expire, repose le pied au sol. Serre les jambes ensemble, de nouveau tu t'étires, main vers l'arrière, grandis, étire tous les muscles, et expire, tu relâches. Tu peux amener les deux genoux à la poitrine et faire des cercles dans des directions opposées. Relâche les pieds. Et change de sens. De nouveau, mais pas si bien gérer ça mon timing. Du coup, on va zapper la pratique assise de fin et directement trouver son chemin pour Shavasana. Si comme moi, tu as pris une écharpe, tu peux la mettre sur la poitrine au-dessus du cœur. Souvent, ça réchauffe juste de la mettre là. Laisse bien les pieds tomber vers l'extérieur, la paume des mains sourire vers le plafond. N'hésite pas à bouger au tout début pour trouver la position idéale. Tu peux aussi serrer les poings, contracter les muscles, faire des grimaces avec le visage. T'aider à relâcher juste après. Et tu profites, tu savoures les effets, les sensations de la pratique. Tu observes le corps. Tu amènes de la détente où tu peux. Tu libères où tu peux. Tu observes le souffle. Tu l'adoucis. Tu observes tes pensées. Mais juste en prenant un peu de distance, sans les juger, essayer de les expliquer, de les comprendre. Et tu savoures ce Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Comme d'habitude, je vais te laisser ici. Je vais probablement me remettre en Shavasana ici après. Bien naze aujourd'hui. Merci d'avoir pratiqué ensemble cette semaine. Normalement, les vidéos de Vinyasa, on les continue encore pendant un petit moment parce que mes cours de Vinyasa ne vont pas reprendre tout de suite. Mais je vous tiendrai informé dès que j'ai plus d'informations. Merci encore de pratiquer avec moi et on se retrouve la semaine prochaine.